Frère! Sucré et salé. Donc voilà, quand on regarde le menu, il y a des bubble waffles, tout ce qui est sucré. Donc on a Oreo, Kinder Bueno, Lotus M&M's, blablabla, blablabla, avec des glaces. On peut rajouter deux suppléments pour se faire son propre, j'allais dire tacos, son waffle. Là, les flower waffles, c'est tout ce qui est salé. D'accord? Il y a le chicken, trois fromages, chèvre miel. D'ailleurs, chèvre miel, ça c'est un truc qui me parle. Flower, ça, c'est les gourmands. Alors, ça, ils sont plus gros, ceux-là. Non, c'est plus par rapport aux ingrédients. Du coup, il y a des ingrédients qui sont un tout petit peu plus conséquents. Le roast beef, saumon, viande hachée, du bœuf séché. Et après, il y a les formules. Bien entendu, les formules avec des smoothies, des milkshakes, etc. C'est où, c'est derrière, ils sont là, voilà. Donc les smoothies sont là. Il y a à peu près tous les fruits. On peut dire ouais, moi je veux tel ou tel fruit pour personnaliser. On peut éventuellement composer, ouais. On peut le faire. Ah oui, d'accord. Il y a aussi une milkshake composée, etc. Donc voilà. Donc ils sont ouverts tous les jours jusqu'à 2h du matin, sauf le dimanche jusqu'à minuit. Voilà. C'est quoi ça, c'est? Ça se dit comment? La loyo. La loyo? Je crois non, c'est la loyo. Et eux, ils certifient que ouais, c'est la viande qui est. Ah ouais, en plus, il est dans le top 3 des bouchers de France. Hein. C'est eux, je crois, qu'ils font du. Il fait du halal bio. Ouais. Ah, il fait du halal bio, c'est artisan bouché. Ah, ouais, c'est pas mal. Il propose même du bœuf de Kobe. Ouais, il en a. Ouais, le bœuf de Kobe Bryant. Bœuf pur. Il a des viandes de prestige et tout, ouais, là, ça, avec les trucs de fou. Ah ouais. C'est un passionné. Ouais, c'est un passionné du métier, quoi. C'est intéressant, c'est bien ça. Elle est magnifique, ça. Il faut venir les embryons de bœuf de Kobe en France. C'est quoi? Ouais, il y a deux personnes, mais c'est pas grave. Miam. Voilà, ça c'est la carte des menus. Donc voilà, il y a des bubble waffles, c'est tout ce qui est sucré. Il y a les flower waffles. Moi j'ai pris chèvre miel juste ici là. Il y a le 3 fromages végétariens, chicken cream, chicken curry et le finis. Et aussi les gourmets, ça c'est pour les gros, les gourmands, là. Les gros lardons. Donc voilà. Tu pensais quoi comme sauce? Andalouse, non? Une boisson avec, tu bois quoi? Coca zéro. Vas-y, deux. Ah ouais, il dégouline bien celui-là, là. T'as pris un bon, toi, hein? Je sais pas, j'ai dit quoi, tu me pensais quoi, il y a deux. J'étais pas loin de prendre le chèvre, je suis le chèvre bien, là.
Miam, miam. Voilà, donc la famille, on a nos petits waffles. Alors, toi, t'as pris quoi exactement? Parce que chacun collègue, il a pris celui-là. J'ai pris Chicago. Moi. Chicago, c'est viande hachée, c'est... bacon de dinde, œuf. Et samouraï. Sauce samouraï? Ouais, sauce samouraï en plus. Ouais. Voilà. Moi, j'ai pris celui-là, c'est chèvre miel. Parce que je sais pas pourquoi j'avais envie de manger de la chèvre et du miel. Enfin, du fromage de chèvre, pas de la chèvre. Frère! Donc, voilà, on va faire nos petites dégustations. J'ai ramené avec moi les gants. Oh, j'ai pas ramené la poucave. C'est pas grave, on s'en fout, c'est pas grave. Donc voilà, je vais mettre mes petits gants et on va faire une petite dégustation. Donc voilà, j'ai enfilé mes gants comme un sauvage. Regardez comment j'ai mis mes doigts. Voilà. Les voici, les waffles. C'est des gaufres. Il y a des gaufres salées et des gaufres sucrées. Moi, j'ai pris chèvre et miel, comme je vous ai dit. Donc, il y a du fromage de chèvre, il y a du miel. C'est quoi, de la roquette? Ouais. Miam, miam. Regarde, il y a même le miel qui coule ici. Et franchement, j'aurais dû prendre comme le tien. Il a l'air plus appétissant. Hein. Le tien, il a l'air vraiment, vraiment lourd de chez lourd. Il est énervé. Il est énervé. Moi, j'ai pris un Son Goku normal. Toi, t'as pris un Son Goku Super Saiyajin. Tu vois? Donc la différence, elle est très très nette. Donc la famille, si jamais vous allez là-bas, je vous conseille de prendre le Chicago. Parce que vous allez être, si vous avez vraiment faim, prenez le Chicago. Donc moi, je vais me contenter de celui-là. Je vais vous montrer, voilà, la petite gaufre, petite gaufrette. Je vais la déguster tranquillement, la famille. Et puis, je vous dis à tout de suite. D'accord. Moi, j'aimerais bien... Moi, je prends une dinde. Une dinde et tu veux... Ah non, moi, je vais prendre le waffle spéculoos. Spéculoos? Ouais. Ok. Ah, pas un petit truc en plus, coco, bonbons, Smarties, si, ben, chamallow, noisette caramélisée. Noisette caramélisée? Vas-y. Bon, un dinde, noisette caramélisée. Noix de coco, moi. Vas-y. Noix de coco. Toi, noix de coco sur le spéculoos. Voilà. Parfait. La noisette et spéculoos. Les deux, vous vanille? Vanille, ouais. Coco. pistache. C'est passé en vrai. Là, il n'y a pas TV dans Instagram, c'est le sticker. Donc voilà les desserts. Moi, le mien, il est juste ici avec les spéculoos. Regardez comment c'est magnifique, comment c'est beau, comment on va le détruire, comment il va se fondre dans notre ventre. Frère! Voilà, voilà, voilà. Donc les spéculoos, les deux waffles dessert. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire un combo. Tu prends un salé et après, hop, tu te prends un petit sucré avec une glace. Tu peux le composer toi-même et puis voilà. Donc voilà la famille, on va déguster nos petits waffles dessert. Donc c'est les waffles sucrés, on va les déguster un instant. Et puis voilà. Je vais quand même le goûter pour vous donner mes impressions, la famille. Je vais commencer par la chantilly. Okay, merci aussi. Miam, 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 miam. J'aime trop le spéculoos. C'est dommage, je ne pouvais pas goûter à travers la caméra, là. Mais vous inquiétez pas, en 2050, quand il y aura des diffuseurs d'odeurs sur YouTube, vous pourrez apprécier ma vidéo. Je vais goûter celui-là du collègue. Alors. C'est dedans. Je sais pas par où passer, mais dedans. Voilà, hop, voilà. C'est quoi que t'as pris, Snickers? D'un. C'est un goût de d'un. Je sais pas si vous avez déjà mangé du d'un, l'animal, mais c'est un goût de d'un. Tu danses. Voilà, famille, je vais déguster ça tranquillement. Et je vous donne mes petites impressions. Nous sommes à Châtelet-les-Halles, un endroit où se rassemblent les drogués la nuit. Ici. Il se passe des choses pas très catholiques. La plupart des dealers sont des musulmans. Ils viennent du 93. Nous rencontrons Myriam, 15 ans, qui fugue pour la troisième fois de chez ses parents, parce que c'est une beurette. Bon, elle veut pas trop parler. Elle veut pas trop parler. Ce sont tous des Tommy, des Tombies, cheveux longs, rate-moi un demi.
frontal a commis le flow à Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Chir, Valérie nos pieds, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont toutes effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.